Bonsoir tout le monde, merci d'être là parmi nous. Donc, j'aimerais ouvrir la séance du 14 mai 2023 à Outremont. Qu'est-ce que j'ai dit? Mai, mon Dieu, j'ai hâte au printemps. C'est le jour de mon mariage. Ah oui, d'accord. Alors, on est seulement le 14 mars, alors on va faire avec, puis on va en profiter quand même. Donc, merci aussi de nous écouter en visio. On va commencer par une présentation des conseillères. Donc, je vais commencer par ma droite, Mme Brown. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Caroline Brown. Je suis conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Valérie Patrault, conseillère d'arrondissement dans le district Joseph Beaubien. Bonsoir à tous et à toutes. Mindy Pola, conseillère d'arrondissement dans le district de Claude Ryan. Alors, d'habitude, je demande à Mme Leblanc de présenter son équipe, mais je voudrais quand même souligner que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais que c'est le dernier conseil de Mme Leblanc ici comme directrice d'arrondissement, donc que je salue bien bas et que je dirai quelques mots là-dessus tout à l'heure. Mais vous pouvez présenter votre équipe si vous voulez bien. Je le veux bien, Monsieur le maire. Alors, je suis tellement heureuse de regarder devant moi et de voir Monsieur Meloche, directeur d'arrondissement adjoint, gestion du territoire, patrimoine et soutien administratif, notre directrice d'arrondissement adjoint de qualité de vie, Anne-Marie Poitras. Nous avons à ma droite Julie Desjardins, qui est la secrétaire d'arrondissement et chef de division soutien administratif, et Gerda Félistin, secrétaire recherchiste. On a un petit peu plus loin à ma droite Armel, et puis le technicien informatique de Maestro Vision. J'ai eu un petit blanc quelques secondes. Et Nathalie, qui est sûrement en train de faire imprimer la liste de questions et qui sort à l'instant. Alors, et notre patrouilleur de la sécurité publique et Sylvain Leclerc, notre chargé de communication. Et bientôt, notre future directrice du bureau de projet, Mme Sonia Vibert. Bienvenue à votre premier conseil. Donc, on aura l'occasion aussi d'y revenir. Merci. Donc, je vais commencer par dire quelques mots. Vous voyez devant vous une magnifique chaise qui a été décorée par une classe de quatrième de l'école Guy Drummond. Ça a été organisé par une maman des mères au front. Et je pense que le message, c'est de lorsqu'on passe la réglementation, qu'on pose des gestes, de penser aux générations futures. Et moi, ça évoque qu'il y a des fleurs sur la chaise qui ne s'enlèvent pas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers et qu'il faut passer à l'action, toujours dans l'action, lorsqu'on pense à la transition écologique en particulier. Mais je veux remercier Valérie Patrault qui a eu l'initiative d'inviter l'école, la classe de quatrième. Et merci à la maman aussi qui est là présente avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, je vais dire quelques mots sur j'aimerais commencer en fait en disant quelques mots sur le départ de Marie-Claude. C'est avec regret que j'ai appris l'annonce du départ de notre directrice d'arrondissement, une DA. Donc, DA depuis plus de 4 ans, Marie-Claude a marqué son passage par son dévouement et sa passion pour notre arrondissement. Toutes celles et ceux qui connaissent Marie-Claude savent combien elle ne ménage aucun effort afin de servir la population d'Outremont. Marie-Claude nous manquera au sein de l'équipe de l'arrondissement, autant au niveau des employés que des membres du conseil d'arrondissement. Je comprends tout à fait les raisons qui ont motivé le choix de Marie-Claude d'aller relever d'autres défis et de faire une différence pour la cause de l'autisme, qui lui tient beaucoup à cœur, je le sais. Elle saura assurément atteindre avec brio ses objectifs et de créer un monde meilleur, comme elle le dit si souvent. Alors, sur une note plus personnelle, je te dis merci, Marie-Claude, pour toutes ces services, ces années de service à Outremont. Et pour, comme symbole de notre témoignage, et de nos remerciements, un bouquet de fleurs.
Merci Marie-Claude. Ça prendrait un vase, monsieur le maire. Un vase, oui, hein, c'est ça. Je ne sais pas si on a les moyens de le payer, mais est-ce que vous voulez dire quelques mots, peut-être, Madame Leblanc? Tout à fait. Les larmes coulent déjà. Preuve de mon attachement à vous tous et vous toutes, élus, employés, communautés, organismes sans but lucratif, vous allez vraiment me manquer. Vraiment, pendant 4 années, j'ai eu le privilège de travailler avec une équipe exceptionnelle. Ensemble, on a réalisé des projets qui font la différence dans la vie de notre communauté outremontaise. Être DA a toujours été plus qu'un simple travail pour moi. C'est la vocation du service public qui m'a toujours animée. Pourquoi quitter mon poste de DA? Parce que, comme vous le savez, puis comme le maire le dit, ma fille est autiste. Alors, vous comprendrez que l'avancement des droits de ces personnes autistes et puis l'accès à des services de qualité pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel, bien, ça me tient énormément à cœur. C'est pourquoi, depuis 4 ans, j'étais déjà impliquée au sein du conseil d'administration de cet organisme Autisme sans limite. La direction générale a quitté l'organisme de façon impromptue, puis tout naturellement, le conseil, je m'en allais dire le conseil d'arrondissement, mais le conseil de l'organisme m'a offert le poste de directrice générale. Alors, étant donné que l'organisme se trouve vraiment dans une situation difficile, mon cœur a été interpellé et ça m'a poussée à accepter ce nouveau défi. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur une équipe solide et engagée de cadres, d'employés qui sauront assurer la relève pendant la période de transition. Pardon, mes Kleenex sont pas loin. Merci à Jean-François d'avoir accepté l'intérim puis d'assurer une continuité pendant cette période-là. Je tiens vraiment à remercier Anne-Marie puis Jean-François pour leur soutien au quotidien, leur dévouement, leur soutien, leur engagement. Aussi, monsieur le maire, désolée, pour votre dévouement, votre confiance, et puis on a fait plusieurs choses dans la dernière année et quelques mois, puis aussi les élus. C'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec des personnes aussi exceptionnelles au quotidien, de partager votre passion, votre engagement. On fait vraiment la différence ensemble pour les citoyens et les citoyennes d'Outremont. Merci aussi à tous nos organismes et à notre communauté. Vous savez que je suis quelqu'un issu du communautaire. Alors, notre table de quartier qui est née il n'y a pas très longtemps, nos tables sectorielles, jeunesse, aînés, petite enfance, bon voisinage, plein de beaux projets qui font aussi la différence à Outremont. J'espère recevoir des offres de bénévolat bientôt, je dis ça comme ça. Si vous avez besoin d'une personne engagée, passionnée par Outremont, je répondrai présente. Encore une fois, ce fut un honneur de travailler avec vous et pour vous. Je me sens choyée d'avoir fait partie d'une équipe aussi famille que la vôtre. Et puis, ce fut un plaisir et un privilège d'être votre DA. Merci. Merci, Marie-Claude. Et c'est bien noté, nous ferons sûrement appel à vous là, comme bénévole, citoyenne d'Outremont. Ça, c'est bien noté. Donc, je voudrais passer, comme Marie-Claude l'a mentionné, donc, je suis heureux d'annoncer aussi que M. Jean-François Meloche, qui est actuellement directeur d'arrondissement adjoint, gestion du territoire, patrimoine et soutien administratif, a accepté d'assurer l'intérim de la direction de l'arrondissement d'Outremont. Il sera nommé par le conseil d'arrondissement ce soir. En poste depuis 3 ans à la direction adjointe, de l'arrondissement adjointe, c'est ça. Et dans l'arrondissement depuis 6 ans, Jean-François est prêt à assumer ce défi pour les prochaines semaines et je le remercie, je vous remercie chaudement d'avoir accepté. Merci. Le poste de directeur d'arrondissement ou de directrice est affiché actuellement. Le comblement de ce poste prendra sûrement plusieurs semaines. Je suis certain que Jean-François, puis Anne-Marie Poitras et de l'ensemble des équipes pour assumer une période intérimaire harmonieuse et empreinte de collaboration.
Je voudrais aussi annoncer donc l'arrivée de Sonia Wiebert. Donc le poste de directrice qui est ici présente parmi vous. Donc le poste de la direction du bureau de projet avait été créé dans le cadre du budget 2023 que j'avais annoncé, je pense que c'était en octobre, dont nous avons voté en octobre 2022. Ce poste névralgique assurera la gestion proactive et rigoureuse des projets majeurs de l'arrondissement. Sa nomination sera soumise au vote du conseil d'arrondissement ce soir. Madame Sonia Wiebert est architecte et gestionnaire de projets d'envergure. Actuellement en poste comme chef de division patrimoine au sein du service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, elle a déjà occupé le poste de directrice d'études à la Société des transports de Montréal, STM, où elle a coordonné plusieurs équipes multidisciplinaires et a œuvré comme responsable de la définition des projets et de la planification stratégique. Titulaire d'une maîtrise en conservation de l'environnement bâti, Mme Wiebert œuvre depuis plus de 25 ans dans le domaine de l'aménagement et l'urbanisme, dont plusieurs années dans le secteur public comme responsable de la section architecture à la STM et comme chargée de projet au grand projet de la Ville de Montréal. Son parcours et ses réalisations témoignent de son engagement et de son grand intérêt pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine montréalais, ainsi qu'en gestion de projets complexes et innovants. Alors, les projets, elle s'y connaît et nous allons bénéficier de son expertise pour faire avancer tous nos dossiers. Merci beaucoup, Mme Wiebert. Merci. Donc, sur un autre registre, donc, je voudrais juste parler brièvement de la sécurité. Donc, c'est la sécurité d'une grande priorité ici à Outremont, et Mme Brand fera une mise à jour de ce que nous faisons avec les écoles, la sécurisation des écoles. Je voudrais répéter une fois encore, je pense que je le dis à chaque conseil, que nous avons des grandes ambitions ici à Outremont, à court terme et à un peu plus long terme. À court terme, nous travaillons en ce moment avec Vélo Québec pour voir comment on pourrait ajouter des pistes cyclables locales ici à Outremont. Donc, on ferait un projet pilote cet été. Et nous sommes en analyse sur des changements de sens unique ou des cul-de-sac sur des rues pour diminuer la circulation de transit et augmenter la sécurité. À long terme, nous allons nous appuyer sur notre plan directeur de mobilité durable sécuritaire qui, ce printemps, va faire du comptage en mai et en juin, si tout va bien. Donc, fera du comptage partout à Outremont et va faire des recommandations sur les géométries de rue, sur les sens uniques, sur les cul-de-sac, sur les pistes cyclables. Donc, en se basant sur les données, pas seulement des voitures, je devrais mentionner, mais aussi des vélos et piétons. Donc, notre objectif, c'est de rendre Outremont sécuritaire et un endroit où il fait bon circuler en vélo, tout en se réappropriant notre milieu de vie et en réduisant la circulation de transit. Donc, prochain point, c'est juste une annonce aussi sur le stationnement du CCI. Donc, il va y avoir des travaux de décontamination sur le stationnement du CCI qui est dans le parc Irma-Levasseur. Donc, la Ville-Centre va procéder au début de ses travaux. Je pense que c'est prévu pour le début mai, si je ne me trompe pas. Donc, nous avons à l'ordre du jour du Conseil aujourd'hui un sommaire décisionnel afin de déplacer le stationnement du CCI actuellement à l'est de l'avenue Dollard vers un autre espace. Nous n'avons pas le choix. Il faut trouver des endroits pour que les gens puissent stationner pour le CCI. Donc, nous allons diriger les stationnements vers l'avenue du Charme. En fait, c'est l'ancienne cour de service. Donc, c'est au bout d'Outremont et du Charme. C'est bien ça. Stuart et du Charme, exactement. Donc, il va y avoir un kiosque d'information organisé par la Ville-Centre qui aura lieu dans les prochaines semaines et qui aura lieu au CCI. Afin d'expliquer aux résidents et résidentes, ainsi qu'à nos organismes partenaires, ce qui s'en vient, ce qui va se dérouler. Ce sera le moment de partager vos questions, vos préoccupations, vos commentaires et de recevoir les réponses des responsables du projet à la Ville-Centre. Il va y avoir un plan de communication avec des avis qui vont être envoyés et aussi il y aura un agent de liaison qui sera disponible pour ce projet afin de répondre rapidement en cas de problème.
La Ville-Centre nous a aussi indiqué qu'il va y avoir des ateliers, je pense qu'ils appellent ça des ateliers d'information, si j'ai bien compris le terme. Enfin, c'est essentiellement pour informer les citoyens sur une mise à jour de tout ce qui se passe dans le secteur 1000 Montréal. Donc, ça va avoir lieu autour du 1er mai. Donc, encore une fois, ça sera intéressant. Des avis vont être envoyés, puis j'invite la population à venir poser des questions et des commentaires, etc. Donc, ce sera pour le développement de tout ce qui concerne le parc Irma Levasseur et le 1000 Montréal. Donc, je vais terminer là-dessus et je vais passer la parole maintenant à Mme Brown. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'ai quelques sujets dont je dois vous parler. Tout d'abord, la bonne nouvelle du jour, on a trouvé un camp pour les enfants qui sont aux primaires et qui ne peuvent pas se garder eux-mêmes. Le camp va offrir des semaines entre le 26 juin et le 18 août pour un total de 8 semaines. Pour ceux qui ne le savaient pas, on avait un enjeu avec le camp Bois de Boulogne qui n'avait pas renouvelé le contrat. Donc, je remercie énormément les équipes qui ont travaillé très fort pour trouver. C'est le camp Sport Montréal qui va rendre le service à Outremont. Ça va être la même formule qu'on l'a connue précédemment. Les inscriptions vont débuter vers la mi-avril, tout comme dans les autres arrondissements. Et puis, j'en profite pour vous demander si vous connaissez des jeunes adultes motivés et motivants qui ont envie de travailler dehors avec les enfants et de se faire beaucoup de fun avec une équipe dynamique. Eh bien, envoyez-les, s'il vous plaît, sur le site Internet de Sport Montréal pour qu'ils appliquent. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle pour tous les parents qui, comme moi, ont des enfants à l'école primaire. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est que bientôt, comme vous le savez, il va y avoir une interdiction du plastique à usage unique. Alors, l'arrondissement d'Outremont va offrir un support aux commerçants de l'arrondissement pour les accompagner. Donc, il va y avoir des affiches promotionnelles, des informations qui vont être distribuées, il va y avoir des communications par courriel et du support. Alors, c'est une décision qu'on accueille avec grand enthousiasme et qu'on considérait comme essentielle. Parlons sécurité maintenant aux alentours des écoles. Évidemment, on s'est lancé un défi de taille, vraiment. Le projet pilote qui a débuté dans la première école à Guy Drummond s'est bien passé. On ne pensait pas évidemment qu'on allait régler le problème d'un coup, là, mais il y a des prochaines étapes qui s'en viennent. Donc, on a eu des rencontres avec les comités mobilité et sécurité de l'école ainsi que la direction et l'équipe de la sécurité de l'arrondissement, et il va y avoir une étape 2 au projet pilote qui va être mise en place, on l'espère, dans pas trop longtemps. Je peux vous dire qu'actuellement, est à l'étude les scénarios pour l'école Saint-Germain ainsi que pour le secteur Kerb et Buissonnière, et également, on espère pouvoir mettre ça en place avant la fin de l'année scolaire. Et j'en profite pour remercier l'équipe de la sécurité qui donne sans compter, qui a accepté de faire des séances de travail avec nous. Et c'est ça, je ne sais pas s'ils écoutent, mais en tout cas, je les remercie chaleureusement. Bienvenue à Mme Vibert, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je voulais aussi souligner la professeure qui vous a accompagnée dans la chaise, Mme Amélie Jasmin, c'est professeure extraordinaire qui élève nos enfants, je pense qu'il faut le nommer. Oui, bien, je regarde la maman, je pense qu'elle connaît très bien Amélie Jasmin, elle sait que je sais qu'elle n'est pas Amélie Jasmin, mais je pense que c'est important de le souligner quand même, parce que la mobilisation des parents pour nos enfants, c'est quand même quelque chose, des professeurs pour nos enfants, c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire qui peut marquer toute une vie. Madame Leblanc, femme extraordinaire, merci pour votre accompagnement depuis novembre 2021. Là, je parle à mon nom personnel. J'ai beaucoup d'apprentissage encore à faire, j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup cheminé grâce à vous. Merci pour avoir donné des heures sans compter. Je sais que des fois, je demandais des rencontres très tard le soir. Vous n'avez jamais dit non. Alors, je vous remercie pour ça. Je vais me limiter à ça pour l'instant. Ça ne m'étonne pas que vous ayez relevé que vous alliez relever ce genre de défi-là. Puis, je vous souhaite la meilleure des chances et je suivrai ça avec grande attention. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent. Bonne séance du conseil. Merci. Je vais céder la parole à Mme Potvin. Oui, rapidement, parce que je veux surtout entendre les citoyens qui viennent ici pour poser des questions et qu'on a à répondre. Alors, je vais vous dire que c'est
Dans le district de Robert Bourassa, évidemment, ça concerne aussi les autres districts et la sécurité dans Outremont. Des fois, ça m'interpelle beaucoup en raison de la vitesse que l'on voit sur Côte-Sainte-Catherine. Des fois, il y a Bernard, il y en a qui ne font pas de stop. J'ai été témoin de ça à certaines intersections. Alors, ça m'interpelle beaucoup. Et toute cette vitesse-là, évidemment, il va falloir absolument augmenter la sécurité. Et ça, c'est un exemple sur Saint-Joseph-Kerbe. Au moins, il y a des petits stops qui sont illuminés. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans des immeubles et qui traversent sur Kerbe et qui vont sur Laurier. Et ça, c'est important de ce côté-là. Madame Leblanc, elle a fait un effort de ce côté-là. Il y a encore des choses à faire. Malheureusement, vous ne serez pas là, mais on va avancer, madame. Alors, aussi, dans le ralentir, dans le coin de Vincent d'Indy aussi, il y a au niveau de la sécurité, ça va être augmenté aussi pour faire ralentir de ce côté-là. L'école Saint-Germain, il y a un brigadier qui est là, une dame qui est brigadière. Alors, au moins, parce que c'est un contexte où il y a énormément de travaux dans ce secteur-là. Donc, pour la sortie des enfants en après-midi, il faut être très, très, très vigilant au niveau de la sécurité de ce secteur-là. Également, il y a des vélos, souvent, comme sur Laurier, qui vont assez rapidement et que, quand ils arrivent à certaines intersections, ils n'arrêtent pas. Et j'avais été témoin d'un accident qui était arrivé. Alors, il faut aussi qu'ils diminuent leur vitesse, qu'ils arrêtent, mais essayer de trouver quelque chose pour ralentir la circulation quand on descend de Côte-Sainte-Catherine vers du parc. Ça peut aller vite et il peut y avoir des problèmes de ce côté-là. Il ne faudrait pas que ça arrive pour les enfants et pour les gens d'un certain âge. Ce qui est bien, c'est que de l'avenue Kerbe, Saint-Joseph, il y a quand même, on appelle ça un chemin pour les écoles, les écoliers, Kerbe et Saint-Joseph. Donc, ça, c'est déjà un élément qui est bon de ce côté-là. Également, en dehors de ça, il y a quand même des parcs à terminer. Parcs dans vos districts, madame, parce que j'en entends parler beaucoup là, de ça. Alors, le parc Pratt a terminé, le parc Joyce, parce que ça prend un petit peu de temps et il faut absolument que ça soit terminé de ce côté-là. Alors, c'est toutes sortes de choses qui arrivent et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir et je vais vous aider le mieux que je peux. Alors, merci. Merci beaucoup, madame Potvin. Donc, je vais passer la parole à madame Patrou. Oui, merci, monsieur Desbois. Alors, tout d'abord, je pense aux gendarmes qui ce soir aussi, et puis je pense que tous les élus ici, je souhaite envoyer mes pensées, notre réconfort aux victimes et leurs proches suite au geste qui a été posé hier. C'est des gestes qu'on veut pas voir dans notre société et même à Outremont, on a une pensée pour les gens d'Amkoui ce soir. Et alors, pour continuer sur le départ de Madame Leblanc, moi aussi, je veux mettre en lumière plusieurs points de votre passage à Outremont en tant que directrice d'arrondissement. Vous êtes une personne immensément humaine, une personne de cœur, très engagée auprès de la communauté et toujours avec une positivité incroyable. Je pense avec vous, on a traversé la pandémie et je pense qu'il n'y avait pas meilleure personne, meilleure directrice pour passer à travers cette pandémie à Outremont. Alors, vous avez tenu à ce qu'on ne laisse personne derrière. Il y a un legs notamment de ça. Vous avez réussi à travers cette épreuve qu'on a tous suivie à mettre en place les cellules communautaires et à renforcer les liens communautaires au sein du quartier. Je pense que ça, c'est un legs qu'il faut souligner. Ça a donné lieu à la table de quartier qui fait c'est un an cette semaine. C'est pas rien. Il n'y en avait pas à Outremont et donc c'est, on va dire, une conséquence positive de la pandémie et c'est entre autres grâce à vous. Alors, vous n'avez pas fait que ça en 4 ans. Hein. Vous nous avez accompagnés sur
On a collaboré sur de nombreux dossiers qui ont rendu la vie des citoyens et citoyennes d'Outremont plus belle, notamment avec des rues piétonnes, des réfections d'infrastructures sportives, d'aires de jeux pour les enfants et plusieurs projets d'agriculture urbaine, et puis changer l'usage d'Outremont, et notamment sur les dossiers de l'inclusion et de l'accessibilité que vous avez toujours su intégrer avec persévérance, on va dire, dans ces dossiers-là. Et puis, ce qui témoigne de, comme je disais, le fait que vous êtes une personne qui prend soin du monde et qui prenait soin de l'arrondissement. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futures responsabilités. Que je comprends tout à fait. Comme élue d'Outremont, j'ai un grand pincement au cœur de vous voir partir. Mais je sais que vous restez citoyenne de notre arrondissement. Donc, nous aurons forcément l'occasion de nous revoir. Vous avez dit que vous ferez du bénévolat, donc je m'en réjouis déjà. J'ai quelques autres mots à partager. Sur la chaise des générations, je remercie Madame Gagné Madame Couture, excusez-moi, d'être présente ce soir. Et je remercie les élèves qui sont venus nous apporter cette chaise. Alors, c'était évidemment une classe d'élèves de l'école Guy Dremond, mais c'était un peu représentatif de l'ensemble des enfants du quartier. Et ce projet, qui a un mouvement dans toutes les municipalités du Québec, qui est suivi notamment par l'organisme Les Mères au Front, se veut donc une chaise des générations, de façon qui se situe dans chaque mairie du Québec, de façon à rappeler aux élus, aux décideurs, aux décideuses que le futur des enfants doit être pris en compte dans les décisions d'aujourd'hui. Alors, merci Madame Couture, merci Madame Jasmin, la professeure, et Monsieur Chagnon, qui était l'artiste qui a soutenu les enfants. Mais je pense que les enfants étaient déjà pleins de créativité et de belles idées. Et il a su les mener à bien ce projet qui est magnifique. Et la chaise est trône au milieu de notre conseil. Et c'est comme si elle avait sa place ici depuis longtemps. Alors, merci pour ça. Je souhaite parler d'un point qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, le point 4001, qui est le stationnement sur l'avenue de la Brunante, où on va autoriser du stationnement sur un côté pendant que le balai passe. Alors, ça pourrait être neutre, enfin, ça pourrait être banal comme décision, mais je me permets de prendre le temps d'expliquer un peu ce qu'il y a derrière, parce que ça aurait pu être un projet de plus grande envergure. On a comme une occasion manquée ici, et je souhaite la mettre en lumière. Alors, je vais commencer par saluer le travail de l'ingénieur de l'arrondissement, Monsieur Marceau Poirier, qui avait présenté un projet ambitieux de réaménagement de cette rue-là, qui alliait des infrastructures résilientes, des grandes saillies drainantes, du verdissement, amélioration de la biodiversité, amélioration de la convivialité pour les personnes à pied. Et le résultat des travaux qui ont eu lieu en 2022, c'est des saillies étriquées, très peu de déminéralisation de l'espace public. Donc c'est une occasion ratée d'améliorer les espaces et la convivialité pour la mobilité douce. Le stationnement est maintenant donc possible des deux côtés de la rue. On aurait pu faire mieux quand il y a des investissements de plusieurs millions de dollars qui sont faits avec l'argent public. La population s'attend à ce que les élus prennent les meilleures décisions, notamment quand il s'agit d'infrastructures publiques qui sont construites pour les 25 prochaines années. Donc ce projet-là, pour rappel, c'était refaire les canalisations, et ensuite l'idée, on devait réaménager la rue, et le réaménagement de la rue, l'arrondissement avait son mot à dire dedans. Donc, Monsieur Desbois, vous m'avez dit que vous avez écouté les citoyens de la rue. Alors, je comprends, mais écouter les citoyens, ça ne veut pas dire absolument reculer et abandonner tous les projets.
C'est, là, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de piétons dans cette zone, alors qu'il y a au moins deux CPE avec des familles qui emmènent leurs enfants dans ces CPE. Il y a une résidence pour personnes aînées. Il y a le campus de l'Université de Montréal avec des bâtiments de part et d'autre de cette rue-là. Donc, réaménager les rues pour les rendre plus conviviales pour les personnes en mobilité douce, hein, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Si on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de piétons, on ne réaménage pas, ben, il n'y aura pas plus de piétons parce que ce n'est pas convivial. Si on améliore les lieux et qu'on les rend plus conviviaux, eh ben, ça invite les gens à plus de mobilité douce. Et donc, c'est dans ce contexte-là, on aurait pu faire mieux. Vous m'avez aussi mentionné que les jeunes qui habitent la rue, notamment, jouaient parfois dans la rue et que ça empêchait de mettre des saillies. Je trouve ça dommage. D'écouter les jeunes, ça aurait été peut-être intéressant. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'enlever des saillies quand on aménage une rue pour les jeunes. On aurait pu leur aménager un espace de sport avec du marquage, par exemple, ou une zone de jeu directement dans la rue. Et revoir l'espace au sein de cette rue de façon à pouvoir à la fois mieux offrir des espaces pour nos jeunes dans une zone qui est un peu qui manque d'infrastructures sportives et diminuer la place de l'auto pour améliorer les choses et la convivialité. Vous m'avez dit aussi. Je vais m'arrêter là, mais comme élu, on s'attend à du leadership en matière d'aménagement de l'espace public et notamment en priorisant les changements climatiques. Et là, on a clairement une occasion manquée d'aller dans le bon sens. C'est dommage. Et je vous demande deux choses pour dans le futur. Le retour de l'indicateur sur les surfaces déminéralisées, quand vous êtes arrivé au pouvoir en décembre 2021, vous avez enlevé les indicateurs qu'on suivait depuis des années pour évaluer les surfaces qu'on déminéralisait dans le quartier. En 2021, vous avez refusé de présenter ces indicateurs. En 2022, ils n'ont pas été présentés. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir à nouveau les surfaces déminéralisées annuellement au sein de l'arrondissement ? Et ma deuxième demande, c'est d'avoir un indicateur des occasions manquées. Donc on a de la Brunande qu'on a manqué l'année dernière, mais il y en a une autre rue qu'on a manqué aussi, c'est Mackeycran. Plus pour des raisons de sécurité. Là, les citoyens avaient déjà demandé avant de la sécurisation de cette rue-là et on ne les a pas écoutés cette fois-ci. On a refait la rue comme elle était à l'identique. Alors, ça fait deux occasions manquées en une année. Sinon, en termes de sécurité, vous l'avez mentionné, la sécurité est importante pour l'ensemble des élus ici. Donc, je souhaite remercier l'administration de Valérie Plante qui a mis à jour les feux de circulation sur l'avenue Van Horn. C'est vraiment pas du luxe. Les feux de circulation qu'il y avait étaient vraiment, vraiment désuets. Maintenant, on a des feux de circulation à jour avec des décomptes piétons et ça fait toute la différence pour traverser cette rue qui est très achalandée à toute heure de la journée, notamment quand nos enfants vont à l'école et en reviennent. Alors, merci pour cette mise à jour à l'administration Plante. Et je me permets aussi une annonce. Madame Leblanc, vous me l'avez mentionné et vous l'avez écrit aussi à un citoyen. Donc, je comprends que finalement, on va avoir un stop sur la rue Thérèse-Lavoiroux. Ça fait des années qu'on le demande depuis que la rue a été ouverte. C'était évident qu'il en fallait un. Coin champagneur et donc je suis vraiment contente que la ville-centre accepte cette demande et aille de l'avant parce que c'est vraiment un endroit où je pense que ça va bonifier la sécurité des personnes à pied et en vélo. Donc merci pour cette confirmation. Et enfin, pour finir, au niveau des activités à venir, aujourd'hui au sein du
de l'ordre du jour, il y a toute une liste d'événements à venir pour ce printemps dans le quartier, notamment deux événements sur lesquels je veux attirer votre attention. La chasse aux cocos d'Outremont en famille qui aura lieu le dimanche de Pâques et la foulée des parcs, qui est un de mes événements chouchou à Outremont, qui aura lieu le 18 juin prochain. Alors je vous invite à sortir vos espadrilles et à vous remettre à courir. Le 10 km sera aussi disponible cette année pour les plus sportifs et puis le 5 km et d'autres courses également. Donc je vous invite à commencer l'entraînement et à vous inscrire sur les plateformes d'Outremont en famille pour cet événement. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Madame Patrou, je reviendrai tout à l'heure. Je vois qu'il y a une question sur de la Brunante. Vous avez dressé un portrait quand même assez simpliste et beaucoup de fausseté, mais je pourrais expliquer à l'occasion de la réponse sur la question sur de la Brunante pourquoi c'est plus complexe que ce que vous dites. Madame Pollack. Merci Monsieur le maire, mais je ne pense pas que fausseté c'est un mot parlementaire, disons ça comme ça. Je vous demande quand même de... Mal décrit, je vais reprendre fausseté, je dis mal décrit. Merci. Donc, ce soir, je me joins aux paroles de mes collègues par rapport au départ de Mme Leblanc. J'aimerais souligner le fait que Mme Leblanc était la première, à ma connaissance, directrice d'arrondissement qui habitait dans l'arrondissement. Et ça, on ne peut pas sous-estimer la valeur que ça a amené au poste. J'aimerais aussi vous dire que l'ampleur et l'impact des changements que vous avez apportés, les changements positifs, bien sûr, seront ressentis pendant des années et ça a vraiment fait un impact et un effet sur notre quartier. J'en suis reconnaissante. Tout ça avec un sourire et une attitude tellement positive qu'on a vraiment, vraiment apprécié travailler ensemble. Je vous souhaite beaucoup de succès. Et vous allez nous manquer. Merci, Madame Pollack. Donc, après ces témoignages émouvants, nous allons passer à la poursuite du conseil. Donc, on est au point 10.03, si je ne me trompe pas, Madame Desjardins. Oui. Maître. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont du 14 mars 2023 à 19h, telle que proposée. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Oui, Madame Paul. Pour. Et je suis pour. Donc, nous passons maintenant à la période de questions. On va commencer, comme d'habitude, avec des questions pour des personnes qui sont déplacées ici à la salle du conseil. Donc, j'ai la liste ici et la première question va à M. Jean-Marc Corbeil. Je voudrais juste rappeler à tous et toutes, donc toujours un préambule court et une question, et on a le droit à une question complémentaire. Merci. Donc, je vais essayer d'être bref. Je voulais quand même faire une petite remarque avant le préambule de ma question, juste pour féliciter le service de Mme Poitras en face du monument au Parc Outremont. Le groupe de Tai Chi auquel j'ai parlé était éminemment satisfait du fait que ce soit déblayé. Ils pratiquent en toute saison, en toute température, donc ça peut aller jusqu'à moins 20 samedi là, à 11h. Et pour eux, c'était vraiment quelque chose d'important. C'est un petit geste, mais c'est fortement apprécié. Donc, il faut le souligner. Pour ma part, je viens à l'information aujourd'hui parce que j'ai adressé au conseil à l'automne une demande d'une opinion juridique au sujet de l'immobilisation des autobus scolaires. Puisque j'estime que selon les renseignements que j'ai, donc la loi, les,
recommandations du ministère des Transports, l'immobilisation le long des véhicules déjà stationnés, c'est pas légal. Donc, et c'est une pratique qui est extrêmement fréquente, donc plusieurs centaines de fois par jour, ce qui cause évidemment des bouchons, lesquels bouchons sont aussi interdits par notre règlement, mais moi je parle vraiment de la loi ici. C'est évidemment une source de carbone en toutes sortes. Hein. Quand on crée des bouchons, les autos émettent du carbone, les autobus, c'est des particules lourdes, il y a du bruit. Enfin, bref, c'est un problème environnemental et sécuritaire endémique dans l'arrondissement depuis 15 ans. J'écoute tous les propos lignifiants à propos de l'environnement et son amélioration, mais là, sur ce plan-là, c'est, je m'excuse, mais c'est zéro. Donc, c'est un zéro pointé pour la copie. C'est toutes les administrations, vous n'êtes pas particulièrement visés par ça. Personne ne sait comment aborder ce dossier qui est très particulier. Évidemment, on n'est pas contre le transport en commun. Par contre, il y a des règles. Il y a des règles, puis si ça s'applique à tous les transporteurs, je voudrais souligner, M. le maire, que selon la loi sur les cités et villes, de par votre pouvoir de maire, vous avez l'obligation de faire appliquer les lois impartialement. Si le mot impartialement est bel et bien dans la loi. Donc, c'est pas parce qu'on pense que le problème est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, puis un penche comme d'un côté, il y a du tiraillage. Il y a vraiment une obligation, et je crois que ces problèmes difficiles à résoudre, parce que c'est difficile, c'est une question aussi d'éducation, en premier lieu, comme beaucoup de problèmes sociaux, c'est-à-dire aller éduquer les transporteurs en leur expliquant, regardez bien là, il y a des infractions qui se font, il ne faudrait pas qu'elles se fassent. Et puis, pour ce faire, bien, il faut que le comité de sécurisation se réunisse et que les dispositions qui sont énoncées dans l'opinion juridique, la loi, soient exposées au service qui est en charge de faire appliquer le Code de la sécurité routière, qui est le SPVM. Si on n'instruit pas le SPVM de la question, il n'y aura rien qui va sortir. Je conviens, je sais que mon propos est peut-être un peu ardu ce soir, mais j'ai reçu de la part de votre secrétaire, M. le maire, le fait là, que je serai mis au courant lorsque quelque chose sera fait. Sauf que là, ça fait un bout de temps. J'aimerais juste que la première étape se fasse. On ne réglera pas toute l'affaire d'un coup, mais que la question de soumettre les résultats au SPVM, leur parler, leur dire, écoutez, leur regardez, là, c'est ça. C'est ça l'affaire. Là. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, on va s'asseoir et on va tenter de régler la question. Après ça, ils peuvent aller voir les transporteurs. Vous pouvez vous asseoir avec les gens responsables de circulation. Il y a déjà des places auxquelles ils peuvent s'immobiliser. Ils pourraient avoir un projet pilote déjà cet été dans le nord-est de l'arrondissement. Il y a des endroits. C'est pas comme s'il n'y avait aucun endroit pour s'arrêter. C'est pas refaire complètement la grille. Bien, là, j'entends, puis je suis heureux d'entendre vous entendre dire, bien là, on considère faire des, par exemple, des sens uniques dans l'arrondissement. Bravo! C'est un peu ce que je proposerais. Par contre, quand on fait des plans de stationnement, on veut s'attaquer au sens unique, ces choses-là, bien, il faut aussi aller à ce qui est une source de carbone importante. Vous savez, les émissions d'autobus, enfin de diesel, ce sont des cancérigènes reconnus de catégorie 1. Donc, prouvés, pas hypothétique, peut-être. C'est une source de bruit. On vit dans des quartiers résidentiels. On espère que les autobus continuent à faire ce qu'elles font de bien, mais à des endroits prévus à cet effet, avec les parcours les plus optimaux, parce qu'ils n'ont pas à s'arrêter devant toutes les portes. Alors, je vous demande, M. le maire,
où s'en est exactement et puis quelle est la prochaine étape dans le processus? Parce que je pense que ça fait 20 ans, là, mais il faut donner un coup d'accélérateur sans mauvais jeu de mots. D'accord, merci M. Corbeil pour votre question. Puis il y a plusieurs parties là, qui sont en mouvement. À votre question initiale, s'il y avait de demander un avis juridique, là, on l'a fait et on pourra dire quelques mots là-dessus. Il y a plusieurs choses. Il y a la légalité, si vous voulez, ou suivre le règlement. Il y a l'application du règlement qui est évidemment la responsabilité du SPVM. Donc, il faut effectivement s'asseoir avec eux si on veut avoir une discussion là-dessus avec les commissions scolaires et les écoles, etc. Mais il y a aussi l'élément d'autobus électrique qui s'en vient, qui n'est pas pour, évidemment, tout de suite, là, mais... qui va aussi faire partie de la solution, là, si on veut. Il y a déjà des écoles qui regardent activement là, des autobus scolaires électriques. Là. Donc, c'est un fait. Là. Donc, ça devra se produire, là, si on veut, de se transformer. Pour le côté légal, peut-être, je vais juste laisser la parole peut-être à Mme Leblanc là-dessus, dire quelques mots, puis je vais... Comme vous le savez, je ne peux pas partager les conclusions là, de l'avis juridique parce que c'est confidentiel. Cependant, pour la première étape que vous indiquez, là, M. Corbeil, ça serait de l'ordre du possible, naturellement. Alors, vous avez demandé là, une rencontre là, avec le SPVM là, pour leur faire part là, des différentes problématiques. Il y aurait aussi matière à réflexion au niveau là, de certaines propositions que vous aviez déjà faites pour améliorer la sécurité, je pourrais dire, là, au niveau là, des arrêts d'autobus. Alors, ça aussi, là, ça pourrait être réfléchi et puis éventuellement, là, s'il y a le souhait, là, amener au comité de sécurisation. Exactement. Donc, bon, écoutez, j'ai une petite question complémentaire. Un, je veux que vous soyez bien conscient que même si vous ne pouvez dévoiler le contenu de l'opinion juridique, comme je suis juriste, je suis capable de me formuler moi-même une opinion juridique. Donc, je sais ce qu'il y a dedans. Ça, je peux vous le dire. Parce que je suis capable de comparer. Maintenant, que ce ne soit pas déjà devant le comité de sécurisation, ça m'étonne. Donc là, il faudrait... Puis la question des autobus électriques, ce n'est pas une raison là, de dire... Ben, parce que déjà, PGL en a, là, il y en a 5 ou 6. Maintenant, la question des bouchons de circulation, autobus électrique ou pas, ça va rester. Donc, ça ne rendra pas plus légal la question des arrêts devant les portes. Ce que je veux, ce que je vous demande, M. le maire, c'est que ça soit mis rapidement à l'ordre du jour du comité sécurisation pour commencer à instruire les parties. C'est même pas pour régler, c'est pour qu'il y ait un début, une ouverture, un début. C'est ça qu'il faut faire. Ça, il faut asseoir les officiers là, du SPVM qui sont sur le comité. Regardez bien, là, vous êtes supposé connaître la loi, mais vous ne la connaissez pas bien, pas beaucoup, parce que vous ne la faites pas appliquer. Puis ce que j'entends de plus en plus, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Bien là, je vous parle d'une disposition légale du Code de la sécurité routière. Je peux le répéter si vous voulez. Donc, loi, application, sécurité routière. On ne fait pas descendre des jeunes, puis on les traverse en des automobiles. Il peut y avoir quelqu'un dans son auto là, qui texte, là, qui lâche, on va dire en bon français, là, qui lâche le break. Puis, c'est pas parce que quelqu'un là, qui les amène là, que ça change la question. Alors, ça fait 15 ans que le problème est là. Il y a des arrêts qui sont, ma foi, très dangereux. Est-ce que vous allez commencer le processus? Puis ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici là, avec un air un peu plus sérieux. Mais ça fait partie d'une demande de plusieurs citoyens. Ça a été exposé au cours de la commission publique là, qu'on a eue sur la circulation, stationnement. C'est soulevé et je sais
que c'est un problème difficile à régler. J'en suis conscient. Mais là, il faut commencer parce que vous avez beaucoup, beaucoup de projets, mais celui-là devrait être comme prioritaire. En tout cas, pour terminer, complémenter la réponse, on a déjà eu des discussions avec l'SPVM. On n'a pas besoin d'un comité de sécurisation là-dessus, mais oui. Je pense qu'on va continuer les efforts là-dessus. C'est sûr qu'il y a des effets négatifs d'autobus scolaires, particulièrement au diesel, là, avec les nuages de fumée, la pollution, et voir la sécurité... La circulation, etc. Mais je pense qu'il faut juste continuer à travailler là-dessus avec tous les partenaires pour arriver avec une solution qui est plus, il faut amener aussi, comment je pourrais dire, il faut amener toutes les parties à regarder l'ensemble des facteurs, c'est-à-dire les avantages, les désavantages, et voir comment on peut trouver des solutions qui soient les meilleures possibles avec les écoles, avec l'SPVM et avec nous. Donc, on va travailler là-dessus, on continue à travailler là-dessus. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Prochaine question, c'est donc pour M. Lacerte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant bonsoir. De poser mes questions, j'ai une simple remarque. J'adore les remontrances de Mme Patrot au sujet du manquement à la déminéralisation des espaces publics, alors qu'elle a dépensé 550 000 $, plus d'un demi-million, pour la placette Monique Mercure, où après les travaux, il y avait moins d'espace avec des végétaux qu'avant. Alors, c'est quand même drôle. Et puis, quant à Mme Pollack, qui faisait remarquer que Mme Leblanc était la première directrice d'administration à habiter Outremont, moi, je dirais que Mme Pollack est la première conseillère à ne pas habiter Outremont. OK. Juste votre question, monsieur. C'est actually a really good joke. Merci, monsieur Lacerte. Pardon? Votre question, monsieur Lacerte. Oui. Écoutez, il y a un peu plus d'un mois, nous avons eu une rencontre avec Mme Leblanc au sujet de la synagogue illégale du 1050 Saint-Viateur. J'étais avec Mme Jocelyne... voyons... C'est fou. Moreau. Non. Provost. Voyons, ça va mal. Et qui est une ancienne procureure générale du Québec. Et on est resté la bouche ouverte quand on nous a dit, après le dossier que nous avons remis, que nous vous avons remis sur les activités à cet endroit-là, Et surtout que M. Meloche, je suis content que vous soyez revenu en santé, et que M. Meloche m'avait téléphoné pour me dire qu'ils avaient mis un spécialiste sur la question pour contre-vérifier ce que nous avions fait pour les allées et venues à cet endroit-là. Et M. Meloche m'avait dit que le rapport qui s'en venait de l'inspecteur qu'ils avaient mis là-dessus allait dans le même sens que nous. C'est-à-dire qu'il y avait, on parle de plus de 100 personnes par jour qui allaient et entraient à cet endroit-là. Et là, on me dit, Mme Leblanc nous dit qu'il y a eu deux demandes d'avis juridique de fait, et que les deux, évidemment, on ne peut même pas savoir ce qu'il y a là-dedans, puis on ne peut pas présumer, mais que les preuves qui ont été amenées étaient insuffisantes pour aller en cour pour gagner un procès. Nous croyons que c'est faux, nous croyons que c'est impossible que l'on ne puisse pas aller, que vous alliez en procès si jamais il fallait aller en procès. Parce que
pouvez commencer par demander la fermeture du lieu de culte illégal. Et s'il ne se conforme pas, bien là, il y aura action en justice. Maintenant, on nous dit qu'il faudrait pouvoir aller à l'intérieur. Pour aller à l'intérieur, là, le rabbin ne vous laissera pas entrer là. Ils n'ont jamais laissé personne entrer là, à moins que le propriétaire lui-même permette à M. Meloche d'y aller. Vous êtes allé une couple de fois. Vos inspecteurs ont fait 80-quelques interventions à cet endroit-là. Et nous pensons que c'est impossible qu'on ne puisse pas procéder, aller de l'avant, demander la fermeture du lieu de culte dans un zonage résidentiel, ce qui est tout à fait non conforme à la réglementation, et que dans le pire des cas, s'il faut aller en cours, on serait en mesure de gagner un procès comme ça. Maintenant, à la dernière séance du conseil, on doit vous le dire, nous vous avons trouvé mal à l'aise et frileux par rapport au dossier. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez faire et de quelle façon, parce qu'on fait du surplace. Moi, quand j'ai appris à conduire, on m'a appris qu'à l'époque, c'était des manuels, il y avait une clutch, mais à un moment donné, il faut la lâcher. Merci, M. Lassalle, pour votre question. Donc, sur la question de la frilosité, j'aimerais ça d'aborder ça d'affront, donc, vous d'emblée. Ma prudence n'est pas sur ce que nous faisons. Ma prudence est sur les mots que je dis ici en conseil, puisque nous sommes dans un territoire où les mêlées d'avocats qui peut aller en justice, si le cas est échéant. Donc, c'est simplement la prudence sur les mots. Il y a eu donc effectivement des analyses des avocats d'ailleurs je vais dire aussi que nous avons une validation externe aussi, donc une contre-expertise aussi là-dessus. Donc c'est pas juste nécessairement un groupe d'avocats là, qui oui, travaille là-dessus. Oui, il y en a deux. Ouais. Oui. Donc les deux arrivent essentiellement à la même conclusion sur qu'ils sont frileux. Que je pense pas qu'on peut les accuser d'être frileux, mais je dirais que il faut continuer à le cas échéant s'il y a un lieu de culte là, il faut continuer à amasser des preuves. Ce que nous avons fait d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu une inspection à l'intérieur du bâtiment. Donc on continue à faire des inspections à l'intérieur du bâtiment. Mais vis-à-vis de ce que nous avons, il n'y a pas encore ce qu'il faut pour gagner un procès. Mais je peux dire quelque chose. De façon générale, s'il faut aller en cours, on va y aller. Là. Je veux dire, on n'a pas... Mais ce n'est pas le but, là, on comprend. Non, pas du tout. Puis vous n'avez pas l'argent qu'il faut nécessairement non plus pour pas gaspiller sur ça. Pas je comprends. Du tout. Absolument. Mais on a dit dès le début, quand on est arrivé au pouvoir, que le règlement s'applique à tous. Donc, sans présumer, comme maire, là, je ne vais pas présumer de ce qui se passe, mais ce que nous avons dit est clair. De façon générale, nous y allons. Mais par contre, il faut le faire d'une façon diligente. On ne peut pas juste... avoir des éléments et les avocats qui nous disent on va perdre et que finalement on perd. Ça ne sert à rien. Donc, il faut y aller de façon diligente et puis on verra où ça mène. Je préfère effectivement ne pas avoir cette situation, bien entendu, mais si il y a une situation, je l'ai dit, répété, qu'on va aller jusqu'au bout, donc, parce que nous voulons faire respecter le règlement. Alors, M. Meloche nous avait dit qu'il fallait que les événements fautifs soient répétitifs. Alors, nous avons fait un suivi pendant un mois, filmé, nous avons tous les films de ça. Vous m'avez dit, M. Meloche, que vous aviez engagé, je ne sais pas, un inspecteur ou un détective privé pour faire la validation de ça. Vous m'avez appelé chez moi au téléphone pour me dire qu'effectivement, ça avait été fait et qu'il y avait
constaté à peu près la même chose que moi. Maintenant, pendant combien de mois, combien d'années faudra-t-il faire ces relevés-là avant qu'on se prenne en main, qu'on décide d'aller de l'avant? L'avant, ça peut être d'abord donner un avis de constat d'infraction et ensuite une demande de fermeture. Et évidemment, après, si rien se passe, mais il n'y a rien qui se fait là. Je ne sens pas là. Ben, c'est là où je ne vais pas être d'accord avec vous. Là. Je comprends que ce que vous souhaitez n'arrive pas. Là. Je comprends ça. Puis ça semble long. Mais il y a un processus, là, si on veut, de l'état de droit qui demande d'amasser des preuves et nous, de notre côté, on fait notre travail. Moi, j'ai rien à cacher là-dessus là, et on fait le travail qu'on doit faire. Par contre, il faut que le processus judiciaire doit suivre son cours à partir de ce qu'on fait, nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Je comprends que j'aimerais bien clore le dossier. Ça fait juste 5 ans, mais vous n'étiez pas là à l'époque. Ouais, là, mais... Ouais. Mais nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que c'est actif. Et il y a des inspections. Il y a tout ce qu'il faut pour ramasser la preuve. Et après ça, on verra qu'est-ce qu'il y a. Les inspections actuelles ne sont pas par rapport au lieu de culte. Elles sont par rapport à des problèmes de structure. Non, c'est par rapport au lieu de culte. Bon. C'est ce que je voulais vous faire dire. C'est bien, je vous remercie. Merci. Donc, voilà pour nos questions en présentiel. Merci. Et nous allons maintenant passer aux questions en ligne. Donc, je vais demander à Maître Desjardins de prendre une gorgée d'eau et de nous lire la question. Oui, donc la question de M. Jacques Nacouzi, le sujet déneigement de la piste Côte-Sainte-Catherine. La question, bonjour, bien qu'il y ait eu une légère amélioration du déneigement de la piste Côte-Sainte-Catherine en 2022-2023, on voit toujours que la piste est déneigée trop tard, voire les résidents y mettent systématiquement leur neige. Nous sommes 500 à 600 usagers du vélo à y passer quotidiennement en hiver, car c'est le seul lien entre le plateau Rosemont et l'Université de Montréal. Ceci force plusieurs usagers du vélo à rouler dans les voies automobiles qui sont parfaitement déneigées au risque de leur propre sécurité ou encore à rouler sur le trottoir au risque d'avoir une contravention. Monsieur le maire, est-ce que vous vous engagez à remédier à la situation et permettre à ceux et celles qui ont choisi la mobilité durable et active de le faire sans mettre leur vie en danger, sans risquer de rendre leurs enfants orphelins? 1. Le lendemain d'une tempête, la piste doit être sécuritaire dès 7 heures du matin. 2. Renforcer la réglementation qui interdit de déposer la neige dans l'espace public. Oui, merci pour votre question. Donc, en ce qui concerne le déneigement à 7 heures du matin, effectivement, nos équipes de déneigement sont... lorsqu'ils font le déneigement, ils font aussi le déneigement des pistes cyclables en même temps. Donc, nous essayons de le faire le plus vite possible. Je ne sais pas si ça va arriver à 7 heures, mais disons qu'on fait tout notre possible pour que ça soit le plus tôt possible. En ce qui concerne renforcer la réglementation qui interdit de déposer la neige dans l'espace public, absolument. Nous avons nos patrouilleurs de la sécurité publique qui font une présence, si on veut, et qui lorsque la neige est mise sur l'espace public ou sur une piste cyclable, ils sont habilités à donner des constats d'infraction. Voilà. Merci. On va passer à la deuxième question. Question de M. Stéphane Gagné. Le sujet permis de stationnement résident. La question, quand les zones de résidents seront réinstaurées? Il est de plus en plus difficile de se trouver une place sur notre rue en raison des vignettes M1 et du fait que les non-résidents qui demeurent plus de 2 heures n'ont pas de contravention. Il faudrait le prévoir avant la fermeture de la rue Bernard, qui ajouterait ce problème de manque de place pour les résidents qui paient leurs vignettes. Oui, donc nous sommes très bien conscients de cet enjeu. Donc tous les résidents des rues autour de l'avenue Bernard ont reçu un avis il y a à peu près 2 semaines annonçant le rétablissement des anciennes zones S3R. Donc, les résidents vont avoir priorité sur le stationnement et qui va aussi, comment je pourrais dire, dans l'avis de l'implantation, on espère en tout cas que tout soit mis en place en mai, le plus tard début juin. Je pense que ce serait le calendrier qu'on regarde en ce moment. Merci.
La question 3 et la deuxième question de M. Gagné. Je passe à la question 4. M. Zaïd, le sujet sécurité publique, la question. Bonjour, je constate de plus en plus de vols dans le quartier, une augmentation de criminalité. Beaucoup de jeunes rôdent la nuit. Il est désolant de constater qu'il y a un seul patrouilleur de sécurité publique la nuit pour notre arrondissement. Par ailleurs, la présence de policiers pour assurer le respect de la signalisation et la limite de vitesse semble inexistante. Avec la densification continue du quartier, comment répondre à ces inquiétudes? Donc, merci pour la question. Donc, je pense que c'est un conseil en novembre. Je pense que nous avons, nous avons voté un budget pour pouvoir engager un deuxième patrouilleur, donc pour assurer la sécurité, autant sur la circulation que sur des vols. Et donc, ces patrouilleurs-là sont en place. Aussi, nous sommes en train de faire un diagnostic de sécurité urbaine. Donc, ça, il s'agit de rassembler les partenaires communautaires avec le poste de quartier, notre sécurité publique, pour mettre un plan d'action là, pour assurer une sécurité. Donc, ça, c'est en train d'être travaillé en ce moment. Et finalement, j'ai aussi demandé, nous avons passé une motion au conseil d'arrondissement demandant le retour du poste de police de quartier ici à Outremont. Donc, merci pour votre question. Question 5, Mme Céline Forget, sujet transparence. La question, s'il vous plaît, placez en ligne tous les dépôts de procès-verbaux des comités et les endroits d'implantation des stations Bixi, le tout à l'ordre du jour de cette séance. Donc, nous allons effectivement pouvoir déposer les comptes rendus des comités sur l'urgence climatique. Est-ce qu'on le fait ce soir ou est-ce qu'on le fait... Demain, on va pouvoir demain. Le mettre sur Montréal. Ouais, demain, ça devrait être en ligne. En ce qui concerne le comité de sécurisation, nous allons travailler sur la transparence sur le comité de sécurisation. Il y a des enjeux particuliers là, d'informations personnelles, etc. Là, donc, il faut voir comment on peut rendre public des informations, mais sans dévoiler là, des informations privées. Donc, nous allons travailler là-dessus, puis on pourra vous revenir avec une solution, on espère. Merci. La question de Mme Rani Cruz, le sujet piste cyclable. La question, est-ce que vous prévoyez de nouvelles pistes cyclables sécuritaires en site propre à Outremont cette année? Le printemps arrive et c'est important que nos enfants puissent se rendre à pied et à vélo en sécurité à l'école. C'est aussi important que les personnes qui circulent à vélo dans la ville puissent être en sécurité quand ils passent dans notre quartier, quand ils ou elles viennent dans nos commerces, nos restaurants, nos espaces culturels. Oui, tout à fait, Mme Cruz. Donc, je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Donc, nous allons avoir des projets pilotes dès cet été avec des changements de sens unique et des pistes cyclables locales. Donc, on pourra circuler dans Outremont. Et nous sommes accompagnés par Vélo Québec dans ce sens. Et ça, c'est donc une solution à court terme. À plus long terme, nous avons, comme je l'ai mentionné, nous avons amorcé le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire qui va ramasser des données et nous faire des recommandations en ce sens avec plus de pistes cyclables et plus de sécurité dans nos rues ici à Outremont. Merci. Question de M. Yannick Bugeaud, sujet entrée de Ruelle et d'Audan. La question, bonjour, je voudrais féliciter le conseil d'adopter l'amendement porté l'an passé par l'équipe de Projet Montréal et qui demande le dégagement des entrées de Ruelle en interdisant le stationnement à au moins 3 mètres de part et d'autre de celle-ci. Votre sensibilité à l'enjeu de la sécurisation du terrain de jeu de mes enfants me touche vraiment beaucoup. Avez-vous maintenant l'intention de continuer sur cette lancée en installant des dodans dans les ruelles de façon permanente afin de minimiser encore davantage le risque de collision entre les enfants et les voitures qui circulent souvent rapidement? Donc, nos équipes analysent en ce moment, donc, effectivement, la question de la sécurité des ruelles. Nous avons voté, mais pas adopté encore, parce qu'on le fait ce soir, donc enlever les cases de stationnement autour des ruelles les plus dangereuses, donc autour des artères et près des écoles. Donc, en enlevant des cases de stationnement, ça permet d'avoir une meilleure visibilité en entrant et en sortant des ruelles. Donc, nous allons continuer aussi dans ce sens-là, à continuer à analyser. Nous allons le faire par degré de danger, si on veut, là, dans l'arrondissement, à travers l'arrondissement. Merci. Question de Mme Geneviève Grand. Je voudrais intervenir, parce que la question, c'est est-ce que vous va y avoir des dodanes permanents? Parce que je pense qu'il a compris l'histoire de la visibilité, parce qu'il nous félicite. Ça. Ah oui, d'accord. Sur la dodane, nous sommes, je veux dire, il y a des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux là, avec les camions, mais Madame Leblanc, vous allez pouvoir peut-être en parler un peu plus. Mais comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, il y a des analyses qui sont en cours. Alors, on en a fait certains dodanes. C'est aussi des dodanes différents de ceux qui sont temporaires. Alors,
il faut poursuivre l'analyse pour s'assurer qu'il soit sécuritaire, autant pour, comment je pourrais dire ça, les gens qu'on souhaite sécuriser comme les piétons, mais aussi pour les employés et les autres utilisateurs des ruelles. Alors, c'est vraiment cet équilibre-là là, qu'on souhaite avoir. Alors, c'est encore en analyse. Merci. Donc, prochaine question. Question de Mme Geneviève de Grandpré, le sujet Parc Canin Mali. Ma question s'adresse à M. le maire Laurent Desbois. Lors de la dernière séance du Conseil, vous avez mentionné qu'une soirée d'information serait organisée en mars afin de partager les dernières informations concernant le projet 1000. Mme Leblanc a précisé à la PCO, suite à un courriel que nous lui avons fait parvenir, que l'échéancier des prochaines étapes de la réfection du secteur Rockland serait communiqué lors de cette réunion. Le choix du scénario de réfection du secteur aura un impact majeur sur le Parc Mali et la PCO craint que celui-ci soit amputé ou déplacé. La sortie des scénarios prévue initialement en septembre 2022 est continuellement reportée et la PCO fait face à un manque de transparence de la part des décideurs et élus, ce qui n'augure rien de bon. Or, la pétition de la PCO pour le maintien intégral du Parc Mali a obtenu 2697 signatures à ce jour. Monsieur le maire, quand aura lieu cette réunion et est-ce que les scénarios retenus nous seront présentés? Merci, Mme de Grandpré, pour votre question. Donc, effectivement, ce sujet du Parc Canin nous est très, très cher. Comme vous savez, nous avons même passé une motion ici au Conseil d'arrondissement demandant à la Ville-Centre de maintenir le Parc Canin tel quel. Et nous avons aussi, j'ai déposé, je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, notre formation a déposé une motion au Conseil municipal de Montréal demandant à la Ville-Centre, à l'administration Valérie Plante, de maintenir le Parc Canin tel quel. Nous avons voté pour, le projet Montréal a voté contre. Donc, nous sommes un peu tributaires de l'information que nous donne la Ville-Centre. Donc, effectivement, on a parlé du mois de mars. Il va y avoir des séances d'information au mois de mars, mais simplement sur le stationnement du CCI. J'ai reçu l'assurance du responsable politique à la Ville-Centre qu'il y aurait une séance d'information ou des ateliers d'information autour du 1er mai. Sur le parc Irma Levasseur et l'ensemble du Mille Montréal. Donc, ce sera l'occasion là, de s'en renseigner et de faire les commentaires, etc. Pour ce qui est des scénarios comme tels, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être déposés et j'ai bien hâte de le savoir. Donc, voilà, je vous dis l'information que j'ai. Merci. Question de Mme Sarah Dorner, le sujet de la Brunante. La question, je donne le cours Les eaux urbaines à Polytechnique Montréal. Je voulais utiliser l'exemple de l'avenue de la Brunante pour montrer des fossés drainants près de notre campus. Malheureusement, l'arrondissement n'a pas construit les fossés drainants tels que prévu. Ces infrastructures vertes sont nécessaires pour l'adaptation au changement climatique, le contrôle des inondations en milieu urbain et la sécurisation des rues pour les piétons. J'ai utilisé l'avenue de la Brunante dans mon cours comme exemple d'occasion ratée à cause du défi du militantisme contre le développement durable. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'arrondissement a changé les plans selon des idées promues par certains citoyens mal informés et n'a pas pris le temps pour l'éducation nécessaire pour réussir adéquatement le projet? Bien, merci effectivement pour votre question. Donc, ça me permet de revenir sur la question de la Brunante et de McEachran. Donc, il y a eu effectivement une consultation publique avec les citoyens, les résidents, et on voulait savoir comment ils voyaient leur rue qu'ils utilisent et nous avons travaillé ensemble en même temps pour maintenir des saillies, mais en même temps pour regarder répondre aux besoins des résidents. Alors il se trouve qu'il y a des saillies drainantes sur de la Brunante là. Donc il y a 4 saillies en ce moment sur de la Brunante. Il y en a 2 où il y a des saillies drainantes et les 2 autres devaient être drainantes mais n'ont pas pu l'être parce que lorsqu'on a creusé c'est du roc et donc on ne pouvait pas faire de saillies drainantes à ce moment-là. Donc c'est le premier point que j'aimerais mentionner. Deuxièmement, nous sommes engagés à examiner avec le comité urgence climatique et avec notre plan d'urgence climatique, nous allons examiner chaque projet afin de voir comment on peut intégrer une gestion des eaux qui divertit les eaux propres, non pas dans les égouts, mais ailleurs ou dans la terre. Donc, ça sera, nous allons examiner chaque projet là, en fonction de ça et nous allons voir comment on peut intégrer des saillies drainantes. Alors, en ce qui concerne McEachran, en fait, il n'y a pas eu d'occasion ratée. Nous n'avons pas commencé encore les travaux.
Nous avons en fait voulu bien analyser bien avant de commencer les travaux, les vrais travaux sur l'avenue McEachran. Nous avons retardé le projet pour pouvoir intégrer des possibilités effectivement de regarder des saillies drainantes, de regarder la question de la piste cyclable. Et donc c'est pas une occasion ratée du tout. C'est simplement que nous voulons bien faire les choses. C'est une opportunité en or que nous avons lorsque McEachran va être refait, de bien faire les choses. Et donc soyez assurés que nous allons regarder ces objectifs-là seront intégrés dans les aménagements qui auront lieu sur McEachran. Merci. Et la question de M. Frédéric Julien. Pardon. Le sujet panneau de corridor scolaire. La question, je fais partie du comité de mobilisation et de sécurité de l'école Guy Drummond et nous aimerions savoir si l'installation de panneaux de corridor scolaire est toujours au programme et si oui, quand cela sera fait. De plus, nous aimerions savoir si vous comptiez participer en tant qu'élu à la manifestation nationale qui aura lieu demain matin aux abords des écoles de notre arrondissement pour mettre fin à l'insécurité routière sur les trajets scolaires et en faire une priorité budgétaire. Nous aimerions en tout cas vous inviter tous et toutes personnellement à venir vous joindre à nous au coin de Stuart La Joie ou de Dollar La Joie entre 7h30 et 8h30. Votre présence nous montrerait que vous êtes comme nous pleinement préoccupés par cet enjeu. Oui, merci pour votre question. Donc, pour la première partie, pour les panneaux de corridor scolaire, quand est-ce que ça va être fait? Quand est-ce que ça va être fait? Je vais tourner ma tête vers Mme Leblanc. Avez-vous un estimé de... Là, c'est avec les travaux publics, là, on va installer les panneaux. Je pourrais dire largement le printemps, M. le maire, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, donc pendant le printemps. Merci de la réponse. Donc, nous sommes très préoccupés par l'insécurité routière et absolument, je serai là demain matin et probablement plusieurs de nous serons là demain matin à 7h30 devant Guy Drummond, comme je l'étais la dernière fois lorsqu'il y a eu la manifestation. J'étais présent et j'ai parlé aux parents et je n'étais pas le seul. Et donc, je pense qu'il faut absolument... Cet événement doit être, en fait, j'appellerai le plus de gens possible à venir nous accompagner dans cet événement. Je pense que le plus nombreux qu'on est, plus le message est fort. Et nous pouvons faire des choses en arrondissement et nous les faisons. Mais aussi, je pense qu'il peut y avoir un appel envers Québec qui peut aussi nous aider à rendre notre arrondissement ou la ville de Montréal plus sécuritaire. Et en tout cas, je serai là avec les parents demain matin. Oui, absolument. Et je demande aussi à tous ceux qui veulent et qui sont réveillés demain matin à 7h30 de venir nous accompagner et d'être présents aussi devant Guy Drummond. Merci. Monsieur le maire, est-ce que je peux proposer une pause de 2 minutes? Oui, absolument. Oui. D'accord, 2 minutes. Merci. Donc, absolument. Ferme.
Merci. Alors, nous allons poursuivre cette séance. Donc, nous sommes rendus, si je me trompe, au point 10.05. Exact. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 7 février 2023 à 19h. Je propose. J'appuie. Donc, je vais passer au vote. Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 20.01, la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 50 000 $ annuellement pour un montant maximal de 100 000 $, toute taxe applicable incluse, à l'organisme à but non lucratif Sport Montréal pour la réalisation des opérations du camp de jour Parc Soleil à l'arrondissement d'Outremont pour les années 2023 et 2024. Pardon. D'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont, Sport Montréal, arrondissement d'Outremont et Sport Montréal, établissant les modalités et conditions du versement de cette contribution financière, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer le dit projet de convention pour et non de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Je ne sais pas s'il y a un commentaire, sinon on va passer au vote. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et, oui, je suis pour. 20.02, la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier non taxable de 8 600 $ à l'organisme Regroupement des éco-quartiers dans le cadre du projet de Patrouille verte 2023, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme Regroupement des éco-quartiers, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, d'autoriser le maire et le secrétaire d'arrondissement à signer le dit projet de convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Pardon, je parle au vote. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 30.01, la proposition est à l'effet d'offrir au Conseil municipal de la Ville de Montréal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de courtes sections de trottoirs et bordures sur le réseau artériel administratif de la Ville, RAAV, de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre du programme de maintien des infrastructures et effection mineure de trottoirs, RMT 2023, du service des infrastructures du réseau routier SIRR. Je propose. J'appuie. On passe au vote. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 30.02, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de janvier 2023. 30.03, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de janvier 2023. 30.04, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit pour le mois de janvier 2023. 30.05, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de janvier 2023. 40.01, c'est un avis de motion. Oui. D'accord. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé, règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue de la Brunante. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue de la Prunante. Je propose. J'appuie. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, oui. Oui, j'aimerais intervenir et j'aimerais proposer un amendement. Voilà, comme, bon, maintenant, ce qui est fait est fait, donc on peut stationner des deux côtés de la rue, il y a du espace. J'ai juste corrigé, on ne peut pas stationner des deux côtés, non. Oui, non, mais là, on va le... On va le non. Oui, durant oui, le balai, durant balai. Mais je veux dire, l'espace est, est minéralisé de façon à pouvoir mettre une auto de chaque côté de la rue et, durant le balai, à la stationner de l'autre côté. Madame Leblanc, si vous voulez préciser. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans d'autres rues, on a passé un dossier. Lorsque Madame c'est le parcours... C'est parce que pour l'amendement, il faudrait juste qu'il soit appuyé avant de pouvoir en discuter. Mais je n'ai pas entendu s'il était... D'accord. Je pense, madame. Allez-y. Alors, je n'ai pas encore proposé l'amendement. Allez-y, madame Patrou. J'ai proposé l'amendement. Donc, ma mise en contexte, c'était puisque physiquement, il y a l'espace et qu'on n'a pas... optimiser, on va dire, ce qu'on aurait pu faire en termes de
j'ai trouvé mes mots, en termes d'amélioration et de résilience pour les changements climatiques, de façon à un peu compenser et aussi à offrir des nouveaux services pour les gens qui résident dans cette zone-là. Je propose qu'il y ait deux places de stationnement du côté donc est de la rue, qui est actuellement la zone où on peut stationner, qui deviennent des cases de stationnement réservées aux voitures en autopartage. Donc, uniquement pour des voitures avec une vignette, un permis numéro 403. Donc, c'est ma proposition d'amendement inscrit comme suit. J'appuie. Ajouter donc au règlement 1171, en plus de ce qui est ajouté aujourd'hui, par le remplacement des règles de stationnement applicables sur le côté est de l'avenue de la Bonnante par les suivantes. Donc, ce qui est déjà existant, c'est stationnement excédant 2 heures prohibé de 8h à 22h, sauf pour les détenteurs et de permis de stationnement réservés aux résidents du secteur numéro 1. De plus, stationnement prohibé de 7h à 9h le vendredi du 1er avril au 30 novembre. Ça, c'est ce qui existe déjà. Et ce que je propose, c'est d'ajouter de plus, les deux places de stationnement à chaque extrémité de la rue sont réservées uniquement pour des voitures en autopartage détenant un permis numéro 403. Et donc, s'appuyer par... Je crois que l'amendement est appuyé, donc vous pouvez en dire. D'accord. Je pense qu'on va juste peut-être prendre un délibéré. Je pense que pour... On aimerait... Même pas si c'est possible. Est-ce qu'on peut suspendre quelques minutes? Oui, on va suspendre quelques minutes et on va en prendre un délibéré. Merci.
Merci. Donc, nous avons pris une pause pour prendre délibérer l'amendement. Bien que c'est une bonne idée de regarder avec Communauto la question des cases de stationnement dans Outremont, je pense que c'est une bonne idée et qu'on devrait poursuivre les discussions avec eux et voir où il y a de l'intérêt ou du besoin d'avoir des places de stationnement pour Communauto, parce que, enfin, moi, juste de visu, là, je ne vois pas beaucoup de voitures Communauto dans ce secteur ou dans le Outremont, donc je me dis, il n'y a peut-être pas de demande, mais c'est quelque chose qu'on peut discuter avec Communauto, puis on pourra regarder d'une façon plus large, développer une politique pour l'ensemble de l'arrondissement. On va passer au vote maintenant. J'ai un droit de réplique? Le droit de réplique, c'est celui qui propose l'amendement, un droit de réplique. Oui. Parfait. Mais je trouve ça dommage parce que c'est encore une fois, c'est l'œuf ou la poule. S'il n'y a pas d'espace facile et puis réservé, on ne change pas les comportements. Et donc là, c'est une occasion de changer les comportements. On revoit le stationnement sur cette rue-là. Ce serait démontrer un certain leadership que d'aller de l'avant un changement qui favorise l'autopartage. Je pense que si on se dit on accepte d'avoir la chaise des générations au sein du conseil pour penser et pour prendre des décisions en faveur du futur de nos enfants, ben c'est aussi important de quand il y a une occasion qui se présente et l'occasion de faire une différence et de changer des comportements, de les prendre. Merci. Donc, comme j'ai mentionné en d'autres répliques, là, je mentionnais qu'effectivement, nous sommes en faveur de regarder la situation des cases de stationnement pour Communauto, mais il faut d'abord leur demander s'il y a de l'intérêt. Je pense qu'ils sont bien placés pour savoir où il y a des besoins. Et c'est ce que nous ferons, discuter avec eux. Merci. Donc, je pense qu'il faut passer au vote maintenant. Donc, Madame Braun. Contre. Madame Potvin. Contre. Et je suis contre. Donc, l'amendement tombe. On doit voter sur la proposition telle que proposée. Donc, Mme Patro. Donc, c'était proposé par Maître Braun, appuyé par Mme Potvin. Oui. Donc, Mme Patro. Donc, j'ai quand même voté en faveur, puisqu'il n'y a aucune raison de maintenant que les aménagements sont faits. Donc, je vote pour. Mme Pollack. Pour. Mais on doit, juste pour un petit rappel qu'on ne commente pas lors du vote. Là, donc, non, je pense que c'est pour interroger Mme Patro. Donc, pour et je vote pour aussi. Donc, 40.03, c'est un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » le 1171 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le chemin de la côte Sainte-Catherine. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le chemin de la côte Sainte-Catherine. Je propose. J'appuie. Je passe au vote, Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Spring Grove. 40.06, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Spring Grove. Je propose. J'appuie. Donc, je passe au vote, Mme Patro. Je suis pour. Mme Pollack. Et je suis pour. Donc, encore un avis de motion. Conformément à l'article 356 sur la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2023, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement.
L'objet de ce règlement vise à modifier le nombre de permis journaliers gratuits accessibles aux centres de la petite enfance et des garderies, subventionnés ou non, reconnus par le ministère de la Famille. 40.08, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2023 au 588. L'objet de ce règlement vise à modifier le nombre de permis journaliers gratuits accessibles au centre de la petite enfance et les garderies subventionnées ou non, reconnues par le ministère de la Famille. Je propose. J'appuie. Donc, je sais pas si y a des commentaires, sinon on va passer au vote. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Un dernier avis de motion. D'accord. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utile et règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Spring Grove. Excusez-moi, on l'avait déjà fait celui-là. Ben c'est 40.9, l'avis de motion. C'est ça, c'est 40.9, oui. 0.9. Moi, j'ai fait 40.05. Faut que je me rattrape. C'est ce qui m'a fait allumer. C'est ça, faut que je me rattrape à moi-même. Pardon? Oui, c'est ça. Exactement. Alors, je me reprends. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement régissant le terrain vacant situé au nord de l'avenue du Charme entre les avenues Wiseman et Stuart, anciennement le stationnement des employés municipaux de la Cour des services des travaux publics, 1151 avenue du Charme, prévu à l'annexe H du règlement sur la circulation et le stationnement. 40.10, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement régissant les terrains vacants situés au nord de l'avenue du Charme entre les avenues Wiseman et Stuart, anciennement le stationnement des employés municipaux de la Cour de service des travaux publics au 1451 avenue du Charme, prévu à l'annexe H du règlement sur la circulation et le stationnement. Je propose. J'appuie. J'ai un commentaire. Un commentaire, d'accord. Monsieur le maire, je suis désolée de voir ça à l'ordre du jour sans qu'il y a... d'autres modalités offertes aux personnes qu'on cible avec ce projet de règlement. Ça fait des mois, sinon un an, qu'on vous parle d'organiser avec nos organismes des services d'autopartage, navettes, etc. On a des fonds. Je trouve ça vraiment désolant qu'on se trouve ici maintenant. Face à cette situation, puis on essaie de trouver, est-ce qu'on peut avoir quelques spots ici de stationnement, on va leur offrir ça, mais on sait que ce n'est pas une solution. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. OK. Je vous écoute, et en quoi ce n'est pas une solution? Désolée? C'est-à-dire, vous dites que ce n'est pas une solution, si vous voulez juste étendre... D'arriver avec ce projet de règlement sans qu'il y ait d'autres options... pour les personnes qui ont besoin. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Je trouve qu'on n'est pas proactif là-dessus. Puis on réagit. On va essayer de trouver des espaces ici-là pour alléger les gens qui les utilisent. Mais ce n'est pas une solution permanente. Et c'est dommage qu'on n'a pas mis d'autres options en place bien avant ça. D'accord, Mme Patrou, si vous avez des commentaires. Alors oui, moi j'ai des questions et puis un amendement à apporter. Il ne va pas avoir de réponse? Ben, oui, je pense. Je vais le reprendre ensemble, si vous voulez. Ben, parce qu'en fait, c'est pas exactement là-dessus, là. Madame, c'est ça, moi. C'est sur un autre sujet? Oui. D'accord. Mais je pense que la situation... il faut trouver du stationnement, là. Donc, le projet de démilitarisation du stationnement de CCI nous oblige à trouver des solutions de stationnement. Donc, il y a ce stationnement qui est là, qui va être, qui va permettre de stationner. Il y a aussi ce qu'on me dit, il y a des cases de stationnement qui sont libres dans le secteur autour de l'avenue du Charme, donc qui pourront aussi être utilisées par les gens qui veulent se rendre au CCI. Donc, je pense que nous, on n'entrevoit pas... c'est possible qu'effectivement qu'il manque des places de stationnement. De toute façon,
avec le nouveau stationnement du CCI, il sera réservé aux utilisateurs du CCI puisqu'il y aura moins de places de stationnement telles que prévues par les aménagements du parc Irma Levasseur. Et donc, des solutions à long terme, il y aura moins de places de stationnement. Donc, c'est une volonté qui est là de la ville-centre. Et donc, nous, on va aménager ce qu'on peut autour, donc avec ce stationnement-là et le stationnement qui est libre autour. Et on va s'ajuster, on va être à l'écoute des citoyens. Et s'il faut trouver d'autres solutions, on en a d'autres options déjà dans les cartes. Si jamais ce n'est pas suffisant, on peut regarder à d'autres options aussi. Merci. Donc, moi, j'ai commencé par ma question et après, j'apporterai ma proposition d'amendement puisque vous parlez des résidents du secteur parce qu'actuellement, cet espace-là, il est utilisé, pas en ce moment parce que c'est la période hivernale et il est utilisé pour le dégagement des voitures durant le déneigement, mais sinon, le reste de l'année, il est utilisé par les résidents du secteur. Et c'est arrivé en 2021, je pense, que ça a été mis à la disposition des résidents, notamment en raison des chantiers dans le secteur, le chantier de la station de métro Outremont et puis les autres chantiers. Il y avait des enjeux de stationnement pour les résidents et donc il avait été décidé de libérer ce stationnement, de le rendre disponible aux résidents, et là on vient le enlever. Donc mon amendement va pour s'assurer qu'il puisse toujours y avoir accès. Mais ma question est plutôt, dans le GDD qui est proposé, on parle uniquement du stationnement, alors que en fait dans le règlement modifié qui est proposé en pièce jointe du GDD, il y a d'autres points qui sont modifiés que le stationnement. Alors il y a notamment des espaces de livraison sur la rue Wiseman. Ça n'apparaît pas dans le GDD, mais c'est dans le document de règlement. Et donc ma question par rapport à ces espaces de livraison qui, là aussi, ils ont été installés dans les deux dernières années pour venir répondre aux besoins des commerçants d'avoir des espaces de stationnement en raison du fait que les livraisons ne pouvaient pas avoir lieu sur Van Horn en raison des travaux à la station de métro. Et là, on vient leur enlever. Donc ma question est, où est-ce que les commerçants vont pouvoir dire à leurs livreurs de se stationner? C'est déjà un enjeu dans le quartier. Et là, je comprends qu'on vient de l'enlever. Je vais donner la parole peut-être à Madame Leblanc aussi. Ou à Maître Desjardins. Est-ce que ma question est claire? Parce que là, dans le papier là qui le papier, la page, moi dans tout le dossier, c'est la page 256 sur 544. La page 7 sur 19 de la modification du règlement. Il y a plusieurs points qu'on vote et qui ne concernent pas juste le stationnement du CCI, mais c'est comme un projet omnibus de modification du stationnement. Et c'est en lisant les dossiers que ce n'est pas marqué dans le GDD, c'est marqué dans le document joint. D'accord. D'accord, on va suspendre pour vérifier. Merci. Merci.
Bon, désolé de cette petite pause, mais je pense que ça a été bénéfique parce qu'effectivement, on a le point de Mme Patrou est valide. Effectivement, il y a une petite différence. Donc, je vais proposer, en fait, donc un amendement de retirer le point 3. Donc, ça va laisser le temps au service de regarder ça et d'analyser, de revenir en bonne due forme. Donc, c'est... J'appuie l'amendement. D'accord. Donc, si je peux... Excusez-moi, M. le maire, oui. On est bien 40... 40.10. Donc, on enlève ce point-là. Donc, ça a été appuyé. Donc, je vais demander le vote. Madame Patrou. Oui, je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et Madame Patin. Madame Patin. J'appuie. Pour. Oui, avec cœur. Si cœur il y a. D'accord. Donc, on a le premier amendement qui est adopté à l'unanimité. Oui. Donc, maintenant, on va passer à votre amendement. Voilà. Alors, ma question a été répondue. Mon amendement, c'est parce que pour l'instant, comme je disais, ce stationnement-là est utilisé en dehors de la période hivernale par les citoyens et ça a été rendu disponible pour les citoyens, je pense, en 2021, dans le contexte des travaux qu'il y a à la station de métro et puis dans le secteur. Donc, et là, le fait de changer le stationnement du CCI, on vient enlever cette possibilité aux citoyens. Et je pense que, alors que pour l'instant, à certains moments, c'est très utile pour les citoyens. Donc, ma proposition d'amendement est d'ajouter la possibilité aux gens qui ont la vignette 1 de pouvoir continuer à stationner dans cet espace. En plus des gens qui viennent au CCI. Donc cet espace, j'ai proposé d'enlever dans ce qui est proposé dans la proposition d'une durée maximale de 8 heures là, qui concerne les visiteurs au CCI, et puisqu'elle est déjà rajoutée dans le paragraphe tarif horaire, et d'ajouter au deuxième paragraphe ou être résident détenteur d'une vignette 1. Je vous ai donné... il était avec l'autre. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, donc... Donc l'idée, c'est juste d'autoriser les citoyens à continuer à pouvoir stationner dans cet espace en même temps que les visiteurs du CCI. Est-ce que c'est appuyé? Oui, j'appuie. D'accord, merci. Donc, avant de passer au vote, je vais juste faire un commentaire. Donc, en ce moment, comme vous savez, le stationnement, il est fermé, donc il est utilisé par les travaux publics, là, c'est ça, le déneigement, en fait, et les travaux publics, en fait, le déneigement. Donc, il n'y a pas les citoyens n'ont pas la possibilité de stationner là en ce moment. Donc, ce que je vais proposer, c'est qu'on n'a pas de plaintes ou de situations là, qui nous sont rapportées, là, que les gens cherchent du stationnement. On aurait reçu de notre côté. Donc, si on a reçu, justement, cette semaine, il y a des gens qui stationnent quand même et qui ont écrit cette semaine, des citoyens. Je donne la parole à Mme Leblanc. C'est que le citoyen n'était peut-être pas au courant qu'il n'avait pas le droit de se stationner. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y avait pas de place de stationnement ailleurs, mais il n'était peut-être pas au courant de la réglementation en vigueur. Donc je signifie que je vais voter contre, mais tout en gardant l'esprit ouvert pour si jamais, parce que nous, l'estimation, c'est qu'il y a des cas de stationnement autour, mais si jamais là, il y a des besoins particuliers, on pourra regarder ça plus tard. Là. Donc, je vais demander le vote là-dessus. Madame Prong. Contre. Madame Potvin. Contre. Et je suis contre aussi.
Donc, l'amendement tombe. On doit voter sur la proposition principale telle qu'amendée avec le retrait de l'article 3 du règlement. La proposition principale, bien, vous l'aviez appuyée. Est-ce que vous appuyez la proposition avec le retrait de l'article 3? J'appuie la proposition amendée. Ben, vous la proposez, Mme Potvin a appuyé. Est-ce que vous appuyez toujours? Mais on avait voté pour le retrait déjà. Mais là, on doit voter sur la proposition principale amendée avec d'accord. le retrait. Parfait. Donc, on le vote, Mme Patrou. Ben, je suis quand même en faveur parce qu'il faut aller de l'avant avec le truc. Je sais que je n'ai pas le droit de commenter, mais... Merci. Mais je trouve d'accord. ça dommage pour les résidents. Merci, Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Parfait. Donc, c'est à l'unanimité. 40.11. La proposition est à l'effet de déposer le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 21 février 2023 et de la consultation publique écrite tenue du 14 au 26 février 2023 inclusivement concernant le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1177 » et le règlement concernant les permis et certificats AO561, d'adopter sans changement un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1177 » et le règlement concernant les permis et certificats AO561. L'objet de ce règlement vise à interdire la conversion des habitations avec services de santé, dont les résidences privées pour les aînés, RPA, par un autre usage, sauf pour un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. Je propose. J'appuie. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, on va passer au vote. Mme Pollack. Pour. Et Mme Potvin. Pour. Et je suis pour. 40.12. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023 AO588. L'objet de ce règlement vise à modifier les tarifs exigés pour l'installation périodique d'un café-terrasse sur le domaine public dans l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Je suis pour. D'accord. Passez au vote. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.13. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public, AO 48. L'objet de ce règlement vise à ajuster certaines normes relatives aux cafétéras sur le domaine public, dont les normes applicables sur une avenue piétonne et sur la place Allée-Gérard, en plus de bonifier les normes relatives à l'accessibilité universelle. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.14. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement au 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin de sécuriser les accès de certaines ruelles de l'arrondissement. Je le propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.15. La proposition est à l'effet d'édicter le renouvellement pour une durée de 3 mois de l'ordonnance autorisant l'entrepreneur 91-60-5188 Québec Inc. Ulex Construction et ses sous-traitants effectués dans le cadre de la réfection de la station de métro Outremont des travaux en dehors des plages horaires autorisées par le règlement sur le bruit AO21, soit du lundi au jeudi de 19h et ce jusqu'à 6h. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 40.16. La proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement procession de Pâques de la cathédrale russe orthodoxe Saint-Nicolas, événement chasse au coco de l'organisme Outremont Famille, événement foulée dans les parcs de l'organisme Outremont Famille, événement plaisir printanier de l'école Guy Drummond, événement grande journée des petits entrepreneurs de la Caisse des jardins des versants du Mont-Royal, événement dimanche des rameaux du monastère Saint-Nicolas encadré par le groupe scout du monastère. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.1. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation d'un PIA pour les immeubles situés au 37 avenue Calvin avec la réserve suivante, proposer une topographie alignée avec la topographie des voisins immédiats, rehausser la topographie du fond de cour alignée avec le mur de soutènement du voisin tel qu'à l'origine et construire la terrasse au niveau du sol ainsi qu'un palier de 9 par 9,5 par 7. Désolée, je viens de le... Pas de souci. J'ai de l'escamoter un petit peu. Au niveau du rez-de-chaussée, niveau 100 sur les plans, devant la véranda existante avec un escalier afin d'accéder à la terrasse ou, si l'option de la terrasse au sol exigé par les réserves CIO n'est pas désirée par le demandeur, modifier le projet actuel en ajoutant un palier intermédiaire de part et d'autre de la terrasse proposée sans dépasser les façades latérales afin de retirer la nécessité de construire des garde-corps sur toute la longueur de la terrasse. Ces paliers pourraient servir d'accès à la terrasse par le côté ou d'espace de plantation. 5445 avenue du Rocher avec les réserves suivantes. Opter pour une option modifiée avec revêtement en bois entre les ouvertures du rez-de-chaussée et l'étage et sur la section de la façade latérale telle que proposée, mais en remplaçant la couleur de la brique jaune par une brique de couleur gris foncé à anthracite. Ajouter la lèche sous la fenêtre du rez-de-chaussée sur l'élévation. Retirer des plans la canopée au-dessus de la fenêtre de l'agrandissement en façade arrière. Et avec la suggestion suivante, installer du pavé alvéolé au lieu du pavé permacon afin d'améliorer la perméabilité du sol.
Je propose. J'appuie. Madame Petro. Je suis pour. Madame Bonac. Pour. Et je suis pour. 47.2. La proposition est à l'effet d'autoriser le nouvel aménagement du site des projets éphémères de l'Université de Montréal, lot 536-8-71 du cadastre du Québec, de modifier la période d'autorisation pour l'ensemble des projets éphémères malgré la résolution CA20-16-0388, de sorte que celle-ci se termine le 31 octobre 2025, sous réserve des conditions suivantes. L'ensemble des dispositions réglementaires sur les prohibitions et les nuisances ainsi que les dispositions relatives au bruit devront être respectées. Toute modification de l'installation et ou sur l'emplacement devra être soumise à l'approbation du conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement pourra lever l'autorisation de l'implantation de l'installation éphémère en tout temps. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 50.01. La proposition est à l'effet d'entériner à compter du 18 mars 2023 la nomination de M. Jean-François Meloche, directeur d'arrondissement adjoint, gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif au poste de directeur d'arrondissement d'Outremont par intérim, et ce, jusqu'au comblement régulier du poste, d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. Je vais appuyer. Et je vote pour. Et moi aussi. Pour. Félicitations. 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 50.02. La proposition est à l'effet d'entériner la nomination de Mme Sonia Vibert à titre de directrice du bureau de projet de l'arrondissement d'Outremont, d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Patreau. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. Félicitations. 61.01, dépôt des comptes rendus de la rencontre du comité aviseur en urgence climatique d'arrondissement d'Outremont du 24 août 2022 et dépôt des comptes rendus des rencontres du groupe de travail sur le plan d'urgence climatique et sa consultation de l'arrondissement d'Outremont des 13 juin, 21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16 août, 24 août et 8 septembre 2022. J'ai une question par rapport à ce point. Si je comprends bien des dépôts, il n'y a pas eu de rencontre depuis le 8 septembre? Madame Leblanc, c'est juste qu'ils ne sont pas encore déposés. Fait que les autres qui y suivront là, dans une prochaine séance. OK, merci. 61.02, dépôt des comptes rendus des réunions du comité de sécurisation tenues les 15 septembre 2022, 17 novembre 2022 et 15 décembre 2022. Et 61.03, dépôt de la liste des emplacements des stations Bixi dans l'arrondissement d'Outremont pour l'année 2023. Merci, merci tout le monde, merci à toute l'équipe, merci encore une fois à Marie-Claude, nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouvelle mission, si je peux dire. Et donc ça clôt la séance d'aujourd'hui, nous allons nous revoir au mois de mai, je pense que le prochain c'est le 4 avril. Ben oui, c'est ça. Le 4 avril. Merci. Au revoir. Au revoir.